on voulait rajeunir un petit peu le public du festival, mais on voulait aussi garder le public qui suit le festival depuis ses 42 éditions et qui s'inscrit plus dans la tradition de la chanson. Alors par exemple, Lavilliers ou Yves Jamais sont des artistes qui sont déjà venus au festival, qui ont une histoire avec cet événement et qui sont vraiment des piliers de la chanson française. D'autres artistes comme Aurel San ou Oshi vont toucher un public peut-être plus jeune et sont des artistes un peu plus récents. C'est un choix qu'on a fait, mais c'est aussi une tradition du festival de mettre en valeur un petit peu les artistes locaux, les artistes de la région. On les trouve parce que certains viennent à nous, parce qu'on les connaît, parce qu'ils jouent fréquemment dans les bars ou ici sur le Boulonnais. Il y a aussi des associations qui sont importantes comme Dynamo, qui est l'antenne régionale du Printemps de Bourges, qui repère du coup tous les groupes régionaux. Et donc on travaille pas mal avec eux. C'est toujours intéressant pour le public de découvrir ces artistes-là émergents.